conforter vos collègues, mais aussi pleurer vos enfants? Oui, effectivement, la Sanaga Maritime s'est déployée avec des chefs qui ont été suffisamment courageux pour venir ici dire à nos frères du Nord-Ouest qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes venus pas pour manger ou bien pour boire, mais nous sommes venus pour crier, pour pleurer à cause de nos enfants qui sont morts et essuyer les larmes de tous ceux qui sont en train de pleurer pour leur dire le Cameroun doit rester un et indivisible. C'est pour cette raison que pour venir, on a porté le signe du deuil, le signe de la mort. Pratiquement tout le monde porte un brassard noir, signe de deuil, pour leur dire ne pleurez plus. Écoutez le sang qui est tombé, mais écoutez également le cri de détresse du chef de l'État qui a demandé le dialogue. Nous demandons donc à nos enfants qui sont dans la brousse de déposer les armes, de venir et de dialoguer. Mais nous demandons également à ceux qui vont participer à ce dialogue qu'il ne faut pas qu'ils y aillent pour freiner encore, comme ils l'ont déjà fait, pour la décentralisation, le développement de notre pays. Nous disons à notre chef de l'État, merci pour ce dialogue, merci pour sa sagesse, mais merci également parce qu'il a été à l'écoute de tous les enfants. Certains peut-être n'ont pas été contents qu'il ait